Alors, catholique et identitaire, plus précisément le titre de la conférence, la reconquête catholique et identitaire. Alors, une première précision, reconquête catholique peut vous faire croire que je vais vous donner un enseignement spirituel, vous dire comment reconquérir spirituellement les Français, comment réévangéliser la France. C'est absolument pas mon objectif, je n'ai pas cette prétention, donc je ne suis pas là pour vous délivrer un enseignement spirituel. Ma conférence a clairement une finalité, comme l'a bien expliqué Victor, à la fois intellectuelle et politique, vous donner des cartouches intellectuelles utiles pour le combat, afin que vous soyez des catholiques, et par ailleurs, et je tiens à ce « et », c'est très important, sur le terrain politique, des identitaires assumés, décomplexés, qui ne craignent pas d'aller sur le terrain, s'il le faut, des arguments théologiques, des arguments de la foi, pour défendre leurs convictions politiques. Je m'explique. Très souvent, quand des catholiques prennent la parole sur l'enjeu de l'immigration, ils vous disent « oui, la charité universelle, tendre l'autre joue, la parabole du bon samaritain, d'accord. » Mais, et là on dirait qu'on déjà on bascule dans un autre domaine de discussion, que c'est plus la même personne qui parle. Mais il faut être pragmatique, mais il faut être réaliste. Les flux migratoires sont ingérables, ils sont excessifs, donc par réalisme, par bon sens, on va interrompre ces flux. Alors, je ne dis pas qu'il faut renoncer à cet argument, mais je pense qu'il n'est pas suffisant et que se contenter de cela, c'est dangereux parce que c'est un aveu d'échec. Ça veut dire que nous n'avons rien dans notre foi, dans notre tradition intellectuelle plus générale, qui puisse soutenir nos convictions politiques. Et si on en est là, c'est très dangereux, je crois, à terme, pour la survie de nos idées. Parce qu'on a en face de nous des gens qui connaissent un peu les textes. Alors, ils les connaissent comme des témoins de Jéhovah. Voilà, ils vous citent quelques paroles un peu connues, et ils vous disent, bah, vous voyez... je suis un étranger, vous m'avez accueilli. Et puis les Hébreux dans l'Ancien Testament, ce sont des réfugiés, des migrants permanents. Donc si on n'accueille pas les migrants réfugiés d'aujourd'hui, on est en contradiction avec notre tradition. Il faut pouvoir répondre à ces gens-là. Et donc répondre avec aussi la connaissance de nos textes, la connaissance de notre religion, pour être tout simplement des catholiques unifiés. Parce que je crois que certes, les sphères du politique et du spirituel sont distinctes, elles sont donc autonomes, mais elles ne sont pas séparées, comme on vous l'a bien expliqué hier. Donc, il faut être aussi décomplexé sur ce terrain-là, et donc relever, c'est l'un des objectifs de ma conférence, les éléments identitaires qui sont très présents dans notre foi, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui peuvent nourrir nos convictions politiques. Donc on doit cesser de fuir ce terrain-là. On doit cesser de laisser ce terrain-là à nos adversaires, et la polémique récente sur l'association des termes catholiques et identitaires nous en a fourni la preuve. D'où la nécessité d'avoir des cartouches intellectuelles pour le combat, non pas pour briller dans quelques salons mondains parisiens, mais pour gagner. Vous avez bien compris que l'objectif de cette université d'été, c'est de vous donner des cartouches intellectuelles pour gagner, c'est-à-dire pour détruire les mensonges de l'adversaire et pour faire triompher la vérité. En résumé, il y a trois objectifs. Un, savoir répondre à nos adversaires à l'intérieur du monde catholique et donc décomplexer les autres catholiques qui sont un peu écartelés, tiraillés entre leurs convictions politiques de nature identitaire, on peut appeler ça autrement, peu importe, et leur foi. Ça, c'est un objectif interne à la communauté catholique ou au monde catholique. Deuxièmement, en s'engageant sur ces sujets-là et en montrant qu'on est à l'aise totalement dans cette discussion en tant que catholique, montrer aux Français que nous sommes des gens sérieux et tout aussi à l'aise avec cette double appartenance harmonieuse, la cité céleste et la cité terrestre, objectif donc externe de crédibilité, tout simplement. Troisièmement, ça rejoint le deuxième point, nous devons, je crois, former une nouvelle génération de catholiques enracinés, une avant-garde de la croix et de la patrie, à la fois fidèle et insolente. Insolente parce que fidèle, comme Sainte-Jeanne d'Arc. Alors depuis quelques années, les médias ennemis, ont observé cette jonction du catholicisme, d'un catholicisme dans la vie publique assumé, et des préoccupations au sens large identitaires. Tout à l'heure, je vais vous donner une définition précise du mot identitaire, parce que c'est l'un des termes les plus galvaudés de la vie politique française. Alors je vous cite par exemple le magazine Pèlerin, décembre 2015, qui est à la suite d'un sondage IFOP, juste après les régionales, la digue catholique s'effondre, parce que la progression du vote catholique au sein de l'électorat FN est prodigieuse. Golias, mars 2016, c'est tout sauf un feu de paille,
Il s'agit d'un catholicisme néoconservateur. Je n'aime pas ce terme, hein, ça correspond à la vie politique américaine, mais ça révèle ce que ces gens-là pensent de nous. Néoconservateur et identitaire, dont les représentants sont jeunes, actifs et mobiles. Dans leur langage à eux, ça veut dire dont les représentants ne sont pas des repoussoirs, ce sont apparemment des gens normaux, et ça nous fait très peur. Le Monde. Alors ça, c'est dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, la dernière. Se confirme l'effondrement de la digue catholique anti-Front National que des grandes voix avaient contribué à bâtir, avec ici et là des évêques qui n'hésitent plus à recevoir en public des élus frontistes. On pense à Mgr Ray, évêque de Fréjus-Toulon, qui avait invité Marion Maréchal Le Pen il y a 2 ans à son université d'été. Mais ce phénomène-là existe aussi dans l'Église. Un article de Rue 89, site associé au Nouvel Observateur, en mars 2013. « Jeune prêtre cool, d'une Église dure, la nouvelle génération de prêtres identitaires ». Et puis il y a eu récemment, vous l'avez peut-être vu, le collectif Antioche, rassemblement d'ecclésiastiques, qui ont appelé, anonymement évidemment, pas vraiment faire autrement, et tant mieux, à voter pour Marine Le Pen, afin de barrer la route à Macron, candidat, je cite, « ultralibéral oligarchique, mondialiste, transhumaniste, technocratique, antifamille européiste, euthanasique, abortif et eugéniste assumé ». Vous voyez que dans cette définition, il y a tout ce que nous détestons et tout ce que détestent à la fois les identitaires et les catholiques. La jonction est évidente parce que déjà nous avons un ennemi commun, ça c'est un premier élément. Cet ennemi commun, ce sont les partisans de ce que Don Gérard Calvé, fondateur de l'abbaye Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine du Barou, l'hérésie mondialiste. Ces gens-là veulent éradiquer toutes les différences, abolir toutes les limites anthropologiques, afin de susciter l'émergence d'un homme nouveau. Un homme sans race, sans sexe, bref, sans foi, ni loi, au sens strict. C'est l'aboutissement du projet jacobin de 1793. Du citoyen français, sans attache provinciale, sans attache corporative, on vous a parlé cette semaine de l'abolition des corporations, de toute forme d'association professionnelle, de tous les corps intermédiaires qui structuraient la France d'Ancien Régime. Du citoyen français sans attache provinciale ou corporative, nous sommes passés au citoyen du monde, sans identité sexuelle ni culturelle. Ça, c'est parfaitement cohérent comme projet. Mais ce n'est pas qu'un projet idéologique pur, ça serait trop facile, parce que les idées, on peut les combattre. Les hommes qui professent ces idées, qui font tant de mal, on peut les combattre. Sur le terrain intellectuel, on peut aussi parfois recourir à des moyens plus contraignants. Je pense qu'il est absurde de donner une liberté d'expression totale à quelques prédateurs qui, comme le disait un auteur un peu maudit, mais passionnant, qui jettent leur filet sur les consciences des gens de notre peuple. Mais donc, ce n'est pas qu'un projet idéologique pur, c'est aussi le développement naturel du capitalisme libéral. Dans un système économique où la liberté des échanges et l'augmentation de la croissance constituent l'alpha et l'oméga, il n'y a pas de place pour des familles traditionnelles qui privilégient, par exemple, le dimanche des activités en plein air plutôt que la sortie dans un centre commercial. Il n'y a pas de place pour le repos dominical. Il n'y a pas de place pour le développement de la vie intérieure, par la prière notamment, qui nous libère de l'attrait pour les biens matériels. Il n'y a pas de place pour une population homogène, forcément moins rentable qu'une masse multiculturelle de consommateurs qui revendiquent leur identité propre à travers le vêtement, la musique, etc. La société de consommation est par nature incompatible avec une foi qui prône la simplicité volontaire et avec l'amour de la patrie qui est lui aussi une forme de vie intérieure où justement on cultive un héritage, un patrimoine à la fois très ancien et intemporel. Par conséquent, l'amour de Dieu et de la patrie, qui sont des nourritures gratuites pour l'âme et pour l'esprit, sont des anomalies dans une société où l'on estime que réussir sa vie se résume à agrandir sa maison, obtenir une promotion, acheter une nouvelle voiture, etc. Il faut bien comprendre que la destruction de toute forme d'appartenance, toute forme d'enracinement, de communauté, d'identité collective, c'est la condition sine qua non de l'augmentation du taux de croissance. C'est pourquoi libéral-conservateur ne veut absolument rien dire. C'est un oxymore. C'est comme, végétarien-carnivore. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que pour que la croissance augmente, pour que l'on puisse donc, c'est ça la croissance, le taux de croissance, c'est pas on produit plus, c'est bien on a produit, non, c'est dans quelle mesure la croissance augmente.
ah tiens, là, cette année, elle a augmenté que de plus 1% au lieu de plus 2, on régresse. Non, non, on a continué à produire plus. On a continué à produire plus de biens de consommation complètement inutiles et aliénants. Donc, il faut bien que, pour qu'il y ait une économie de marché qui se développe complètement, qu'il y ait une société de marché. Donc, que vous soyez tous ici des marchandises. Donc, les catholiques doivent comprendre véritablement que l'apologie permanente du métissage, notamment, qui est très présent dans la société de consommation, mais à l'école, au cinéma, etc., va de pair avec la promotion du gender, de la GPA, PMA, de l'avortement, etc. Tout cela, c'est le même ennemi. L'immigration-invasion, le grand remplacement et par ailleurs la négation des altérités, de l'altérité sexuelle, ce sont les deux mamelles du rouleau compresseur mondialiste. J'aimerais vous citer Brock Chisholm, c'est le premier directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé. Il a répondu à une interview dans USA Magazine en 1955. Les gens doivent pratiquer le contrôle des naissances et le métissage afin de créer une race unique dans le monde régie par un seul gouvernement. Vous voyez, enfin, il ne s'en cache même pas. Il n'y a pas de complot mystérieux dont on doit démêler les fils. Celle-là, c'est sous nos yeux, ça se passe en direct. Donc, avortement, féminisme, loi contre la famille, finalement tout cela, ça n'est qu'une des têtes de l'hydre de l'ère mondialiste. Vous savez, l'hydre de l'ère dans la mythologie grecque, c'est le monstre à plusieurs têtes que Hercule doit affronter. Il coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. Ben, il finit par prendre le feu et à le porter au cœur du corps de l'ennemi. C'est ce que nous devons faire. De la même manière que la théorie du genre prône la liberté de choisir son sexe, parce que les notions de masculin, féminin seraient parfaitement arbitraires, le multiculturalisme, l'idéologie qui justifie l'immigration-invasion, prône, elle, la liberté de choisir son identité culturelle, parce que la nation ou la patrie serait une croyance périmée. Mais c'est le même raisonnement. Comme le disait Jacques Attali, les nations sont des hôtels. Voilà, donc on peut, on doit même, finalement, on est obligé de choisir, comme dans un supermarché, son identité. Tant que ce n'est pas son identité originelle, tout va bien. Alors, très bien. Mais qu'est-ce qu'un identitaire? Parce qu'il y a une jonction. On a le même ennemi, d'accord, mais il faut quand même connaître notre ami. Alors, identitaire, c'est un label fourre-tout. Quelques exemples. J'ai lu dans la presse quotidienne régionale en Poitou-Charente que l'élevage de chèvres dans cette région est appelé production identitaire. En fait, typique de l'identité du lieu. La marque de vêtements Le Petit Français du Sud, dans le magazine du conseil départemental du Var, est qualifiée d'identitaire. Et puis, plus généralement, ça désigne de manière un peu abusive tout ce qui est politiquement à la droite de la droite. Alors, ce mot-là, il a une histoire quand même en politique. On peut faire remonter la préoccupation identitaire aux travaux du GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne fondé en 1969 autour d'Alain de Benoist et de Dominique Vénère. On peut parler de l'ouvrage « Les racines du futur » en 1977 autour du Club de l'Horloge. Mais plus précisément, il y a une revue intellectuelle de grande qualité au début des années 90 qui s'appelle la revue « Identité ». En fait, ça va devenir la revue du conseil scientifique, du conseil de réflexion des cadres du Front National. Et à l'intérieur, c'est très intéressant, on a des gens très différents. Alors d'abord, il y a quelques personnalités de tous bords spirituels qui patronnent, sans parler de l'équipe de rédaction, qui patronnent la revue. On a Pierre Vial, fondateur de Terre et Peuple, mais on a aussi Jean de Viguerie, Bruno Gollnisch, Pierre Gourinard ou Bernard Anthony, cofondateur du pèlerinage de Chartres. Vous voyez que ces gens-là pouvaient parler entre eux, faire des choses entre eux. Même diversité donc dans l'équipe rédactionnelle. On a Jean-Yves Le Gallou, et puis on a les catholiques et légitimistes Claude Paulin, Pierre Demeuse, que nous avons reçu l'année dernière ici, ou Claude Rousseau. Ces gens-là pouvaient se parler à l'époque, c'était possible, et ils étaient réunis autour d'une formule phare, qui était un peu finalement la devise de la revue, défendre l'identité européenne et chrétienne de la France. Et en l'an 2000, maître Frédéric Pichon, qui a joué un rôle important, vous l'avez vu, dans la lutte contre la répression de la Manif pour tous, fonde le think tank Gens d'Europe, Europae Gentes, destiné, je cite, à réfléchir sur la construction européenne autour d'une synthèse originale entre certaines réflexions de la nouvelle droite et une dimension chrétienne assumée. Nous n'avons pas peur de prendre chez les autres ce qu'il peut y avoir d'intéressant pour le bien commun. Bon, évidemment, en 2002, la création du mouvement identitaire. Alors moi, petit bémol, identitaire avec un i minuscule, ce sont tous ceux qui peuvent se revendiquer de ce combat-là identitaire, de cette idée identitaire, et qu'on peut trouver aux identitaires avec un i majuscule, aujourd'hui Génération Identitaire, ou au Front National, et pourquoi pas ailleurs.
Et puis donc, par ailleurs, le mouvement identitaire, Génération Identitaire, 2011, et les identitaires fondés en 2002. Guillaume Luit, ancien cadre d'Action française, président du Front national de la jeunesse dans les années 90 et fondateur des identitaires en 2002, donne une définition de ce sentiment identitaire. Au nationalisme, idéologie de la nation, nous préférons le patriotisme, attachement charnel à notre terre. Un patriotisme que nous osons affirmer, que nous osons affirmer triple. Régional, c'est la patrie charnelle. Français, c'est la patrie historique. De fait, nous avons formé Picard, Bourguignon, Provençaux, Bretons, une communauté de destin, c'est la patrie historique. Et puis, un patriotisme européen, la patrie civilisationnelle, nous sommes tous les héritiers d'Athènes et de Rome. Alors, ça peut peut-être vous choquer, mais vous voyez bien que derrière la définition traditionnelle, peut-être, que vous avez du mot nationalisme, il y a exactement ce que définit Guillaume Luit par identitaire. À cette nuance près qu'aujourd'hui, il y a un combat plus large, pas seulement contre l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, bref, tout ce qui attaque la souveraineté, mais maintenant il faut défendre notre substance. Je vais développer ce point-là. Être identitaire, c'est défendre et promouvoir son identité contre tout ce qui la menace. L'uniformisation par la société de consommation, le grand remplacement par l'immigration-invasion, l'islamisation latente des zones majoritaires immigrées, mais qui n'est que la conséquence de l'immigration-invasion. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et puis contre l'idéologie jacobine de la Révolution, qui veut remplacer la France par la République et le catholicisme par la laïcité. Vous voyez que ça, c'est pas fini. Le combat de ces gens-là pour nous détruire, on l'a vu avec Vincent Peillon, La Révolution française n'est pas terminée, c'est le nom d'un de ses ouvrages. On voit bien que leur combat continue et donc notre résistance doit se maintenir. Donc être identitaire, c'est d'abord une prise de conscience. C'est prendre conscience que ce n'est pas seulement la souveraineté de l'État qui est en jeu aujourd'hui, mais l'identité même de la France, donc sa substance ethnique, culturelle, spirituelle. C'est véritablement le combat de la survie en tant que peuple. La souveraineté, c'est le bouclier de la nation, c'est le bouclier du peuple. Mais maintenant, bientôt, peut-être, il n'y aura plus de peuple. Il faut défendre le peuple français, parce qu'il n'y a plus de France sans Français. Philippe de Villiers, 200 000 avortements par an, 200 000 migrants par an, on supprime des vies, on en déracine d'autres. Vous voyez bien que le mondialisme est une culture de mort, et que le combat identitaire est une marche pour la vie. La marche pour la vie des peuples en tant que communauté de destin aimée de Dieu sous tous leurs aspects. Donc, être 1 million de personnes dans la rue contre les projets de loi anti-famille, c'est très bien. Mais si on ne se mobilise pas contre les projets de loi anti-peuple, alors je pense qu'on est un hémiplégique du combat pour la vie. On ne marche pas sur ses deux jambes et on ne fait peur à personne. C'est la jonction des colères qui fait peur au pouvoir. Ce n'est pas le fait que les catholiques soient, même s'ils ont, enfin, ils n'étaient pas tous catholiques, mais même s'ils ont mobilisé un mouvement de 1 million de personnes à chaque fois dans la rue, c'est le plus gros mouvement populaire de la Ve République avec la défense de l'école libre dans les années 80. Donc c'est très bien. Mais le fait que les catholiques publiquement se maintiennent dans ce genre de préoccupations politiques et apparaissent, pardon, un peu, mais comme des flics de la braguette, je pense que ça nous dessert. Ça nous dessert profondément. Si, comme le disait Saint Jean-Paul II, nous n'avons peur d'aucune vérité, car toute vérité est nôtre. Alors qu'est-ce qu'on attend pour s'engager dans les autres sujets? Vous voyez bien que ce n'est pas qu'une question morale ou purement physique, l'avortement, l'euthanasie, etc. Il y a des logiques économiques qui poussent à ça. Il y a des conditions d'existence qui deviennent de plus en plus difficiles et qui poussent les femmes à l'avortement. Donc nous sommes inoffensifs si nous demeurons cantonnés aux questions de mœurs sexuelles, aux questions de morale sexuelle. Et dans tous ces sujets-là. Et il y a quelque chose d'un peu protestant finalement dans cette obsession de la résistance catholique, parce que nous sommes devenus peut-être un peu des puritains et nous pensons que cela constitue l'alpha et l'oméga. Alors, vous pouvez me répondre, oui, mais très bien, mais être chrétien fondamentalement, ce n'est pas une identité. Et alors, cette phrase, elle a été prononcée par un journaliste classé très à droite, qui est catholique. Je vous en parle parce que je veux vous montrer que cette erreur est très répandue dans tous les milieux. Être chrétien, ce n'est pas une identité, pour moi, c'est profondément stupide. Évidemment qu'on devient chrétien par le baptême et que voilà, le salut est promis à tous. C'est une évidence. Mais être chrétien, c'est adhérer à une foi et donc rejoindre une communauté qui croit aux mêmes vérités et qui vit selon les mêmes mœurs, les mêmes traditions.
C'est entrer dans une vie en réseau ponctuée de grands rendez-vous incontournables. Je ne vous l'apprends pas, les pèlerinages paroissiaux, les groupes étudiants, les week-end scouts, etc. Tout cela développe un univers mental, des références communes, sans éliminer bien sûr la diversité des caractères, des centres d'intérêt. Depuis les chants de bénédicité qui forment une tradition populaire remarquable, jusqu'au fait de poser un crucifix au-dessus de la pièce à vivre dans une maison, vous voyez bien que la vie du chrétien est jalonnée de toutes ces petites choses voilà, qui rythment notre existence quotidienne et qui façonnent le cadre de notre vie tout entière, en réalité. En un mot, toutes ces petites choses nous rendent identiques, dépositaires de la même identité collective. Et puis par ailleurs, comme le bon Dieu s'est incarné en le Christ, notre identité spirituelle s'incarne dans des traditions culturelles propres à une région. Les crèches provençales de Noël, les bûchers alsaciens de la Saint-Jean, les calvaires bretons, les grandes chasses aux œufs en pays flamand. L'identité et la foi sont deux réalités complémentaires. Parfois on dit « l'Église n'a jamais aboli l'identité des peuples autochtones, elle n'a voulu que les évangéliser, elle respecte parfaitement cette identité ». C'est vrai, mais il faut mettre un bémol, parce qu'il y a des identités, il y a des cultures populaires qui forment parfois, à cause de certains éléments, comme l'autorisation de l'inceste, du viol, etc., des entraves à l'exercice des missionnaires. Alors je vais vous donner un exemple très intéressant. Concile ecclésiastique de Lima au Pérou, 16e siècle. On ne peut guère leur enseigner à être des chrétiens si on ne leur enseigne avant tout à être des hommes et à vivre comme tels. Il faut donc que les missionnaires et autres personnes qui en ont la charge veillent à ce que, perdant leurs habitudes sauvages et violentes, ils deviennent des individus sociaux, c'est-à-dire qu'ils acquièrent des usages, par exemple celui de venir à l'église propre et convenablement vêtu, pas nu. Les femmes portant un voile sur la tête, suivant les indications de l'apôtre, qu'ils aient des tables sur lesquelles manger et des lits pour dormir, et non pas qu'ils vivent à même le sol, sur des sols en terre battue. La culture de la table, qui vous paraît une évidence, c'est quelque chose de culturel, c'est issu de la culture française et européenne. Quand les premiers missionnaires débarquent au Pérou, il n'y a pas de table. Ils vivent entassés dans certaines tribus, reculés dans des petites cases, et il y a un espèce de, j'allais dire, droit de cuissage, c'est complètement anachronique, et puis surtout ça n'existe pas le droit de cuissage historiquement, ça a été démonté. Mais il y a une sorte de droit de tout homme de la famille à consommer immédiatement n'importe quelle femme qui se trouve dans un périmètre de moins de 10 mètres carrés. Ça peut être sa mère ou sa grand-mère, hein. Mais c'est autorisé dans la culture de ces gens-là. Est-ce qu'au nom du respect sacro-saint de l'identité de ces populations, on va dire non, mais gardez votre culture, allez à la messe tous les dimanches, mais après le viol, c'est pas grave. Non, c'est pas possible. Donc il y a une limite aussi, il y a une mesure hein, à garder. La culture de la table, c'est quand même un moment incroyable. Ça réunit la famille sous l'autorité des parents à heure fixe, ça réunit les enfants sous la direction des parents, c'est un moment privilégié d'unité où la grâce peut agir comme un canal. Quand on n'a pas cette culture de la table, c'est plus difficile d'être chrétien au quotidien. Vous voyez que l'identité européenne a joué, la culture européenne en se diffusant a joué un rôle majeur dans le développement de la foi. Je suis désolé, mais être chrétien, c'est une identité, le chrétien a besoin de son identité, le christianisme a besoin des identités, de l'amour de son identité, mais aussi dans ce qu'il y a de plus vrai, anthropologiquement, philosophiquement, dans la culture européenne. Et donc aussi, toute proportion gardée, d'universalisable. Parce que, toute proportion gardée, simultanément, l'Église sauvegarde la richesse des identités autochtones. Si aujourd'hui, au Mexique, on peut apprendre dans les universités à parler le maya ou les langues aztèques, c'est parce qu'il y a des franciscains et des dominicains qui ont les premiers codifié ces langues. Ils les ont mises par écrit. Allez voir une église au Japon, ça ressemble à un temple shintoïste. Voilà. Allez voir, je ne sais plus comment ça s'appelle, les églises en bois de certains pays scandinaves, où vous retrouvez des éléments de la mythologie nordique sur les murs de ces églises. Ça montre bien que l'Église assume ce qu'il y a de bon, de vrai, d'édifiant, sur le plan naturel, dans les identités anciennes. Et ça, c'est normal. Être catholique, ce n'est pas seulement une foi, parce que la chrétienté, ce sont des hommes qui la font. Des hommes avec leur itinéraire propre, ce ne sont pas les anges du ciel. Nous avons leur secours, mais ce ne sont pas eux qui sont en première ligne. Alors on va vous dire, alors ça c'est la grande tarte à la crème, oui, mais dans l'épître aux Galates, il est dit, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre, ni esclave. C'est vrai, mais qu'est-ce que saint Paul dit juste après? Il n'y a plus ni homme ni femme. Vous pensez que saint Paul était partisan de la théorie du genre? Moi, je pense pas. Il dit ensuite, «
car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Puisque vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez été revêtus du Christ. Vous voyez bien que cette unité, elle est spirituelle. Alors, elle s'incarne évidemment dans des gestes concrets. Ça ne suffit pas de se dire on est unis, mais non. Enfin, voilà, évidemment, il y a une charité élémentaire. Mais cette unité, elle est de nature spirituelle. Donc, ce rapport assumé à l'identité dans l'histoire de l'Église vient plus profondément, j'en viens au cœur de mon sujet, de ce que notre Dieu s'est incarné. Pour Jean-Paul II, le dogme de l'incarnation, je vous renvoie à son livre « Mémoire et identité », était la base de ce qu'il a appelé, de ce qu'il a osé appeler, la théologie de la nation. Il s'est fait chair et il a habité parmi nous, prologue de l'Évangile selon saint Jean. C'est ce dogme de l'incarnation qui a été confirmé par le Concile de Nicée en 325. Le Christ n'est pas moitié homme, moitié Dieu, il est pleinement homme et pleinement Dieu. En embrassant la nature humaine, le Christ a embrassé toutes les particularités de l'homme, à commencer par sa dimension identitaire. Je vous renvoie à ce que Don Gérard écrit dans « Demain la chrétienté », qui est un ouvrage absolument incroyable. Tous ceux qui veulent s'engager, d'une quelconque manière dans la cité, doivent avoir lu ce livre. Il y a tout, absolument tout. Don Gérard parle, je cite, « d'un homme Dieu, un homme Dieu, qui a grandi relié à une terre, à une religion, à une race, à un travail d'artisan, il écrit dans les années 80, à une petite patrie qu'il a regardée, arpentée, qu'il a aimée avec tendresse et sur les malheurs de laquelle il a pleuré. » Et oui, le Christ fut un Hébreu pieux, obéissant, qui a accompli un à un les devoirs civiques et religieux d'un Hébreu du 1er siècle. Il a été circoncis le 8e jour après la naissance, il a été consacré au Seigneur dans le temple, comme le dit l'Évangile, selon la loi de Moïse. Il monte à Jérusalem avec sa famille pour la Pâque et il leur était soumis, le Christ est soumis à ses parents. Il se rend à la synagogue pour faire la lecture, selon la coutume le jour du sabbat, c'est l'Évangile qui nous le dit à nouveau, et il attend que les docteurs de la loi lui remettent les saintes écritures entre les mains. Alors attention, je ne cherche évidemment pas à rabaisser la nature divine du Christ, ou même à la nier. Et puis il y a aussi les lieux habités par le Christ. Dans le Nouveau Testament, on a des références constantes. Jésus de Nazareth revient constamment dans Saint-Luc. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Christ, c'est Jésus de Nazareth. Après tout, on pourrait dire pourquoi préciser Jésus de Nazareth. Il vient d'un terroir. Notre Dieu vient d'un terroir aussi. Alors ça revient constamment dans Saint-Luc, Saint-Jean, Saint-Matthieu, Saint-Marc et les Actes des Apôtres. Il est le Galiléen, le Galiléen. Il est aussi défini par son identité culturelle, le Christ. Jean-Paul II écrit « En devenant homme, le Fils de Dieu lui-même a acquis non seulement une famille humaine, mais aussi une patrie. Il est pour toujours Jésus de Nazareth, le Nazaréen. » Ça, ça en ferait hurler aujourd'hui. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça ferait hurler cela même qui idolâtre complètement le pape Jean-Paul II pour d'autres raisons. Donc vous voyez bien qu'on est dans une confusion totale. Donc ça, c'est très important. Le bon Dieu, par son incarnation, en vivant comme nous le travail, les obligations familiales, l'appartenance à une patrie, a conféré à toutes ces réalités une très haute dignité. Vous avez aussi la récurrence de la métaphore agricole et terrienne dans les évangiles. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Parabole des ouvriers de la 11e heure, parabole du semeur et tant d'autres encore. Donc le thème de l'enracinement est omniprésent dans la vie du Christ. Il y a un enracinement généalogique aussi. L'évangile selon saint Matthieu s'ouvre par le récit de l'ascendance du Christ qu'il fait remonter à Abraham 21 siècles plus tôt. Pareil chez saint Luc qui remonte à la création. Jésus était, croyait-on, fils de Joseph, fils d'Élie, fils d'Isaac, fils d'Ibraham, etc., fils d'Adam, fils de Dieu. Pour Jean-Paul II, cela montre de quelle façon le chemin, écoutez bien, le chemin vers la nation passe par la famille et la descendance. Le chemin vers la nation passe par la famille et la descendance. C'est saint Jean-Paul II, pas Jean-Marie Le Pen. Donc l'appartenance à une nation s'hérite plutôt qu'elle ne se mérite. Une patrie, ce n'est rien d'autre qu'une grande famille. Et parce qu'une patrie est une grande famille, nous devons aimer notre famille plus que nos amis et plus que nos voisins. Et le Christ lui-même nous donne l'exemple de cette préférence. Évangile selon saint Luc. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. La ville, c'est Jérusalem. Et dit, des ennemis te serreront de toutes parts et ils ne laisseront pas de toi pierre sur pierre. C'est la prophétie de la chute de Jérusalem sous les coups des Romains en 70. Donc le Christ pleure sur la chute de sa cité, pas sur Alésia, Carthage ou Constantinople.
Ils pleurent sur la chute de la Jérusalem physique. Ils ne laisseront pas de toi pierre sur pierre. Donc, vous voyez qu'il y a une préférence dans le patriotisme du Christ à l'égard de sa patrie. Alors ça, c'est Pie XII qui nous le dit. En 1939, dans une encyclique que je vous conseille, Summi Pontificatus, S-U-2-M-I, Pontificatus, le divin maître lui-même donna l'exemple de cette préférence envers sa terre et sa patrie en pleurant sur l'imminente destruction de la cité sainte. Cette préférence envers sa terre et sa patrie. En somme, la préférence nationale, vertu chrétienne fondamentale. Alors j'aurais pu aussi vous parler de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit, oui, tombe sur les apôtres qui enseignent. Il y a des Juifs évidemment, il y a des Arabes, il y a des Crétois, il y a des Grecs, il y a quasiment tout pourtour de la Méditerranée qui est rassemblé hein, devant les apôtres. Chacun entend l'enseignement des apôtres dans sa langue d'origine, dans sa langue. Ça, méditer là-dessus, c'est quand même incroyable. Parce que enfin, Dieu est tout puissant. Il aurait pu dire, bon voilà, c'est comme ça, puis même, il nous a créé, il peut changer le mode d'emploi, il fait ce qu'il veut, et du jour au lendemain, faire en sorte que nous l'aimons parfaitement. Et puis on pourrait parler tous la même langue et ça serait plus simple. Non, il a voulu passer. Il a voulu passer par les nations et par les identités. Donc, c'est pas seulement bien d'être patriote, c'est pas seulement normal, naturel d'aimer sa patrie, c'est nécessaire spirituellement. Et donc, on doit défendre cette identité pour notre foi, tout simplement pour que la grâce puisse continuer à agir. Alors, tout cela nous renvoie à la notion de patriotisme. Je vous ai dit, c'est une préférence. Il faut en dire plus. Mais avant de comprendre pourquoi c'est une préférence dans le détail, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'une patrie. Une patrie, ce n'est pas un contrat social hein, pour la pensée catholique. Ce n'est pas non plus seulement quelque chose de joli, que l'on aime bien, mais que bon, on peut replâtrer, changer, modifier. Pour Jean-Paul II, la patrie est un trésor. Avant tout un trésor. L'unique en son genre. Trésor de valeur et de contenu spirituel, c'est-à-dire tout ce qui compose la culture d'une nation. Un trésor. Alors, je suis désolé, mais les mots ont un sens. Et puisque la patrie est un trésor, nous devons être prêts à mourir pour elle et à défendre cette patrie contre toutes les menaces qui planent sur elle, c'est-à-dire à faire primer sa sauvegarde sur l'accueil de l'étranger et l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire la dissolution de soi-même. Alors, soit Jean-Paul II a tort, c'est un mauvais catholique, je ne sais pas. Dans ce cas-là, la patrie n'est pas un trésor. La patrie est un contrat dont les clauses peuvent être discutées. C'est quelque chose, entre guillemets, d'évolutif et de changeant, comme le pense Erwan Lemoredec, avocat d'affaires parisien. Et alors, nous n'avons aucune raison de la préférer telle qu'elle est et telle que nous l'ont légué les anciens. Or, les papes, tous les papes récents, eux, y ont vu véritablement un trésor et quelque chose de sacré à défendre coûte que coûte. Je vais vous asséner de quelques citations rapides, mais c'est pour vous montrer la constance de l'Église, et je pense que ça va vous étonner, parce que c'est des choses qu'on entend très rarement, mais qui sont très faciles à trouver. Léon XIII, la loi naturelle nous ordonne, c'est pas un choix, c'est nous ordonne d'aimer de prédilection, la prédilection c'est la préférence, hein, c'est synonyme, de prédilection et de dévouement le pays où nous sommes nés et où nous avons été élevés au point que le bon citoyen ne craint pas d'affronter la mort pour sa patrie. Saint Pie X, son successeur. Oui, elle est digne non seulement d'amour, mais de prédilection. Ça revient, le même mot. La patrie dont le nom sacré, éveille les plus chers souvenirs et fait tressaillir toutes les fibres de notre âme. Vous voyez, c'est charnel. Hein. La patrie, ce n'est pas une idée. Cette terre commune où vous avez votre berceau, à laquelle vous rattachent les liens du sang, et oui, le sang, que fait la police, et cette autre communauté plus noble des affections et des traditions. Pie XI, 1922, qui célèbre cet amour même de sa patrie et de sa race, source puissante de multiples vertus et d'actes d'héroïsme lorsqu'il est réglé, bien sûr, par la loi naturelle. Pie XII, la doctrine catholique exhorte précisément les catholiques à nourrir un amour profond et sincère envers le patrie. Et en forme de défi, Pie XII lance « Nous proclamons que le chrétien ne le cède et ne peut le céder à personne dans l'amour et la fidélité véritable à sa patrie terrestre. » Benoît XVI, évidemment, les pays doivent veiller à préserver et à développer leur culture propre sans jamais la laisser absorber par d'autres. Ou se noyer dans une terne uniformité. Le pape François, beaucoup de choses à en dire, ce sera le travail, la
tâche ingrate de Laurent d'Andrieux tout à l'heure, développe quand même une écologie culturelle. Alors évidemment, c'est pas pour les Européens, mais c'est pas grave, les principes sont posés, donc c'est intéressant. Une écologie culturelle au nom de laquelle, avant d'agir, avant de faire des politiques concrètes, politiques de la ville et autres, urbanisme, il faut toujours prendre en compte l'histoire, la culture, l'architecture d'un lieu en maintenant son identité originale. Et trois siècles auparavant, 1659, Congrégation de la propagation de la foi envoie donc quelques instructions à l'usage des missionnaires. Il dit « Ne méconnaissez pas l'identité des peuples que vous allez évangéliser, car, je cite, « il est pour ainsi dire inscrit dans la nature de tous les hommes d'estimer, d'aimer, de mettre au-dessus de tout au monde les traditions de leur pays et de ce pays lui-même. » Donc vous voyez que l'Église n'a jamais été complexée par cette question-là, c'est tout récent dans notre histoire. Alors saint Thomas, parce que ça fait bien quand même de citer saint Thomas, « Comme il appartient à la religion de rendre un culte à Dieu, de même à un titre second, appartient-il à la piété ?» Vous voyez, piété et patriotisme, ça va ensemble. C'est deux notions similaires, parallèles. Il appartient à la piété de rendre un culte aux parents et à la patrie. Il y en a aujourd'hui qui, en lisant ça, deviendraient complètement fous. Ça génère des crises d'anévrisme de partout. Mais parce que les mots sont très forts. Un culte. Dans le culte de la patrie est inclus le culte des concitoyens, donc de nos frères, qui font partie de la même patrie, et de tous les amis de la patrie qui nous aident à maintenir cette patrie telle qu'elle est. Voilà, donc fondamentalement, pour le chrétien conscient, le patriotisme, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une discrimination. C'est un choix, enfin c'est un choix, c'est un héritage d'abord. Mais après, intellectuellement, on le cultive cet héritage en se rappelant que nous devons d'abord aimer notre patrie. C'est donc une discrimination, fondamentalement, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Puis, par définition, comme les autres sont toujours plus nombreux que soi-même, si on aime les autres d'abord, si on prétend aimer toute l'humanité, on ne s'aime pas soi-même. C'est inévitable. Donc, l'affirmation d'une priorité. Comme Sainte-Jeanne d'Arc préférait les Français aux Anglais, sans haïr ces derniers. Comme Isabelle la Catholique, qui à mon avis mérite d'être sainte, préférait les Espagnols aux Sarrasins. Comme le bienheureux Marco d'Aviano et Saint-Jean de Capistran, bon, malheureusement on n'en a pas trop entendu parler à l'école de ces grands figures-là, parce que plusieurs rois de France ont pris le chemin d'une collaboration indigne avec les Turcs, c'est dommage, mais préféraient les Italiens et les Européens aux Ottomans. Et je suis à peu près sûr que Saint Jean-Paul II préférait les Polonais, sa famille, aux autres peuples, sans nourrir la moindre haine à l'égard de ces derniers. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Les saints patrons. Chaque ville a un saint patron, chaque province a un saint patron, chaque pays, même chaque continent. Saint Benoît pour l'Europe, par exemple. L'Église donne donc des protecteurs aux nations. Et puis, Sainte Marguerite Marie à la Coque, évidemment. Le Christ qui lui dit, il faut, c'est le Sacré-Cœur, tisser l'insigne de mon cœur sacré sur les armes de France. Il y a un livre, il y a quelques mois, qui est sorti, on voit une église peinturlurée en bleu, blanc, rouge. Et c'est pour critiquer, en fait, l'association des deux. L'auteur souhaite critiquer, souhaite mettre en garde contre la tentation identitaire. Mais ce type-là n'a aucune culture historique. C'est lamentable quand on connaît Sainte-Marguerite Marie à la Coque et la tradition, par exemple, de la consécration votive, de consacrer sa nation à la Vierge, etc. Comment on peut résumer son idée ainsi? Alors, bon, il y a le choix de l'éditeur aussi, mais je pense que ça reflète assez bien quand même l'état d'esprit de l'auteur. Voilà. Donc il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être complexé en tant qu'identitaire ou en tant que patriote. Nous avons raison. Toute l'histoire de la chrétienté, toute l'histoire de l'Église et l'enseignement même des papes récents nous donne raison. Alors, puisque le patriotisme est une préférence en soi, vous comprenez bien que sa mise en œuvre par la charité s'exerce selon un ordre. Il y a un ordre dans la charité, et cet ordre va plus loin que vous ne le pensez. Cet ordre découle du quatrième commandement, « Honore ton père et ta mère ». Selon le catéchisme, et je prends, voilà, pour ne pas me faire accuser d'archaïsme, je prends volontairement la dernière version, éditée sous Jean-Paul II, et pas le catéchisme de Saint-Pie X. Ce commandement, selon le catéchisme de Saint-Jean-Paul II, je cite, « indique l'ordre de la charité ». Il concerne les rapports, il concerne également les rapports de parenté avec les membres du groupe familial. Et il demande de rendre honneur, affection, reconnaissance aux aïeux et aux ancêtres. Et il exige le respect des devoirs des citoyens à l'égard de leur patrie. Donc, honore ton père et ta mère, c'est honore ta patrie, ton peuple. Car c'est là la famille des familles. Alors, à cela, certains vont nous dire, oui, mais il y a une limite quand même. Parce que, bon, aimer les Français, ça va.
Ça dépend comment on définit le français, hein. C'est une autre question. Mais après, c'est un peu racial quand même, les Européens. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mettre une notion ethnique dans la charité? Encore une fois, ça dépend. Qu'est-ce qu'une patrie? Une patrie, c'est un héritage, c'est un trésor. Ce trésor, il a été façonné par un peuple à l'origine très ancienne. Donc, je suis désolé, mais c'est pas la société Black Blanc Beur de la Coupe du Monde 98 qui a fait la France. C'est Clovis, Hugues Capet, Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc et tant d'autres qui ont fait la France. C'est ça notre patrie. Saint-Louis, comme la plupart des Français jusqu'au milieu des années 70-80, je suis désolé, hein, mais il ressemblait pas à un Bantou du Cameroun. Alors, Louis XIV, le bienheureux Charles de Foucault ou Antoine de Saint-Exupéry, c'était pas des Papous de Nouvelle-Guinée. Je suis désolé, hein, mais c'était des Européens de race blanche. Voilà. Alors, vous pouvez dire ethnie, ce que vous voulez, peu importe. Les chercheurs utilisent un peu tous les mots, en fait. Mais c'est une réalité. C'est un fait historique incontestable. Ça ne veut pas dire que l'assimilation n'existe pas. Évidemment, ça existe. Je pense que c'est extrêmement marginal. J'en parle après. Mais de fait, ceux qui ont fait la France, et donc qui l'ont définie telle qu'elle l'est encore aujourd'hui, étaient des Européens. Donc il ne faut pas faire un absolu de ce facteur ethnique. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas suffisant à définir l'identité nationale qu'il n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce que la partie ne suffit pas à définir le tout qu'il faut abolir la partie. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Donc, la patrie, c'est là où je veux en venir, ne se limite pas à la nationalité. Particulièrement à une époque où, par la magie du droit du sol, un crocodile né dans une étable devient une vache. Vous voyez bien que la charité ne peut pas se limiter à la carte d'identité. C'est pas possible. Finalement, le droit du sol, c'est la première des théories du genre. Parce que c'est la première négation de la nature. Donc si on dit la préférence nationale, oui, à l'égard de tous les Français, sans définir ce qu'est un Français, mais pas les étrangers, ça va pas plus loin, mais au nom de quoi, faut me le démontrer. Je veux dire, si la charité, c'est tous ceux auxquels nous sommes liés par des liens spéciaux, pourquoi on devrait s'arrêter là? Pourquoi je devrais être plus charitable à l'égard de Jamel Debbouze qu'à l'égard de Luciano Pavarotti? J'estime que je suis plus proche de Luciano Pavarotti que Jamel Debbouze, je suis désolé. Oh, Jamel Debbouze, il n'est pas français. En plus, il a montré sa haine de la France. Donc, je veux dire, lui, c'est... Ah, je vais dire un péché irrémissible, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça, politiquement, ça, en tout cas. Donc la charité, vous voyez bien, c'est ainsi que les choses sont faites, suit l'ordre de la similitude. L'amour est fondé sur la ressemblance, c'est naturel. Donc nous devons d'abord aider ceux avec lesquels nous avons le plus en commun. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Saint Augustin et le pape Pie XII. Saint Augustin, comme tu ne peux être utile à tous, tu dois surtout t'occuper de ceux qui, selon les temps et les lieux ou toute autre opportunité, pluriel, te sont plus étroitement unis comme par un certain sort. La charité se fonde, s'inscrit dans des cercles d'appartenance, tous les cercles d'appartenance. Ma famille, mes amis, mon quartier, ma ville, ma province, mon pays, ma civilisation, etc. Alors, et puis Pie XII, soumis pontificatus, toujours, 1939. Dans l'exercice de la charité, il existe un ordre établi par Dieu, pas facultatif, hein, établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence, faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni, à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Alors, évidemment, ni l'un ni l'autre ne parle explicitement du facteur ethnique. Mais évidemment qu'ils n'en parlent pas, enfin, c'est un argument débile. Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer le suicide identitaire de l'Europe occidentale. Est-ce que vous pensez que Pie XII, un Italien des années 30, il aurait pu prévoir que l'Europe occidentale serait colonisée par le tiers-monde 50 ans plus tard? Évidemment non. Évidemment non. Alors, oui, mais la parabole du bon samaritain, quand même, on voit bien que le prochain, ça peut aussi être l'étranger. Ah, ben, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en plus, ce que je viens de vous dire ne contredit même pas la parabole du bon samaritain. C'est une manipulation totale quand on recourt à cette parabole pour justifier l'immigrationnisme. Parce que il ne s'agit pas d'aimer uniquement les personnes de même origine, mais de les préférer. C'est une nuance importante. La priorité, c'est pas l'exclusivité. La priorité ne nous interdit pas d'aider l'étranger en détresse rencontré sur notre chemin. C'est saint Thomas qui nous le dit. Nous ne sommes pas tenus d'être poussés par affection sentimentale, par sensiblerie si vous préférez. Nous ne sommes pas tenus d'être voilà, poussés par affection envers l'étranger. Si ce n'est peut-être selon le temps ou le lieu, parce que nous le voyons en quelque nécessité, d'où il ne pourrait être secouru sans nous. Donc la priorité donnée aux nôtres, en général, n'exclut pas la charité ponctuelle à l'égard de l'autre, et c'est notamment le cas dans la parabole du bon samaritain. Et cette charité ponctuelle
d'urgence, là, maintenant, je vois quelqu'un qui n'est pas de mon peuple, mais qui souffre. Elle est ponctuelle, mais elle est impérative, c'est sur le moment qu'elle se déclare à nous, qu'elle s'impose à nous. C'est l'exception à la règle prévue par la règle elle-même. Il y a une règle générale et puis il y a des exceptions qui naissent de la vie, c'est parfaitement naturel. Le bon samaritain, il soigne l'habitant de Jérusalem dans une auberge et il le laisse reprendre sa route. Il ne lui offre pas l'hospitalité chez lui. Il ne le ramène pas chez lui. Donc le bon samaritain, il est charitable. Il n'est pas immigrationniste. Voilà. Donc la charité chrétienne peut se résumer par une formule très simple, les nôtres avant les autres. Alors, puisque je parle d'ethnie, forcément, il y a un joker qu'on nous sort assez régulièrement. Oui, mais Pie XI, dans l'encyclique Meet Brennender Sorge en 1938, avec une brûlante inquiétude, condamne le fait de recourir à ce genre d'argument, ça n'existe pas, les races n'existent pas, c'est vrai, tout ça. Eh bien, c'est faux. L'Église n'a jamais condamné la reconnaissance de l'existence des races. Pie XI écrit: celui qui prend les races pour les retirer d'une échelle de valeur, l'échelle de valeur de tout ce qu'il appelle les valeurs fondamentales de la communauté humaine, comme le peuple, l'État, la forme de l'État, etc., tout ce qui existe dans la société, tout ce qui est observable, tout ce qui correspond à une réalité collective. Tout celui qui prend les races pour les retirer de cette échelle de valeur et celui qui les divinise par un culte idolâtrique, référence au racisme hitlérien, celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu. Donc la condamnation, de faire de la race un absolu. Ça, en effet, c'est condamné par l'Église catholique. Comme les libéraux font de la liberté d'entreprendre un absolu, comme les marxistes font de l'appartenance de classe un absolu. L'Église est très claire là-dessus. Mais les races constituent une valeur fondamentale de la communauté humaine, comme je vous l'ai dit, le peuple, l'État, la forme de l'État, etc. Elles tiennent donc, accrochez-vous bien, dans l'ordre terrestre, une place nécessaire et honorable. Pas cosmétique et accidentelle. C'est pas mal, c'est joli, on a des visages différents, c'est marrant, on essaie de mélanger, qu'est-ce que ça donne, tiens, pourquoi pas. Non, c'est nécessaire et honorable. Nous devons combattre pour que les petits-enfants ressemblent à leurs grands-parents. Mais oui, c'est ça, c'est l'ordre voulu et établi par Dieu. Et tous les auteurs catholiques avant 1945 pensaient exactement la même chose. Ça ne veut pas dire qu'après ils ne pensaient plus, mais après on ne pouvait plus le dire. Parce qu'il y a une confusion totale dans les esprits. On croit que parler de cela implique un quelconque suprémacisme. Au contraire. Le véritable suprémacisme, il est aujourd'hui dans la religion du métissage, qui vous dit que vous soyez noir, blanc, peu importe, vous n'existez plus, vous n'avez plus aucun droit à vivre. L'avenir de l'homme, c'est l'homme métisse. De la supériorité de l'homme à rien, on est passé à la supériorité de l'homme métisse. Voilà, c'est la victoire posthume d'Adolf Hitler, finalement, la religion du métissage. Donc, parce que les races tiennent dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable, je crois que nous devons, nous aussi, catholiques, combattre pour les sauvegarder. Et pour ce faire, le meilleur moyen, c'est encore que chaque groupe humain se batte pour la sienne. Comme le disait Benoît XVI, les nations ne doivent jamais accepter de voir disparaître ce qui fait leur identité propre. Tout ce qui fait leur identité propre. Ne jamais prendre la partie pour remplacer le tout, ne pas idolâtrer la partie, chaque chose à sa place. Il y a des choses qui ne sont pas suffisantes à définir notre identité, comme le facteur ethnique, mais c'est nécessaire. Alors voilà ce que je pouvais vous dire entre autres sur la notion de patrie, le sens chrétien du patriotisme et de la charité. J'aurais pu, c'est une discussion sans fin, c'est passionnant comme sujet, vous parler de la notion de peuple élu, du rapport des anciens hébreux à l'identité. Là aussi, pour nourrir votre réflexion, il y a des choses passionnantes dans l'Ancien Testament. Je vous renvoie au livre 1 et 2 des Maccabées. C'est très peu connu, alors qu'il n'y a quasiment que les catholiques qui ont conservé le souvenir de des événements relatés dans ces livres-là. Pour la religion juive, je pourrais pas vous retrouver le terme théologique exact, mais je crois que c'est un texte secondaire qui n'a pas grande autorité. Pour les protestants, ça n'existe même pas, ce n'est pas dans la Bible à 1,50€, vous savez, la Bible second, ils l'ont enlevé. La tradition catholique a conservé ce souvenir, il y a eu toutes sortes d'œuvres musicales et autres qui relatent la geste des Maccabées. Pour faire simple, la guerre des Maccabées, c'est la résistance des Hébreux du début du 2e siècle avant Jésus-Christ contre l'un des héritiers d'Alexandre le Grand, roi de Syrie, qui voulait imposer le polythéisme aux Hébreux. Et les Hébreux vont lancer une véritable guerre de libération nationale et une croisade pour la liberté religieuse pour pouvoir continuer à rester Hébreux. En gros, c'est
Brevard, les Thermopyles et les croisades en un seul événement. C'est incroyable, c'est vraiment fascinant. Mel Gibson voulait en faire un film, et puis Hollywood, étrangement, lui a dit non, non, ça c'est pas possible, c'est à nous, toi t'as pas le droit d'en parler. Voilà. Donc, maintenant passons concrètement à l'état des lieux. État des lieux que monsieur Jean-Paul Gourevitch vous a déjà fait. Je fais un petit rappel. Il y a en France, sur la première et la deuxième génération d'immigrés, 13 à 14 millions donc, de personnes d'origine étrangère, c'est-à-dire un habitant sur 5. Et ça, c'est que la première et la deuxième génération, ce n'est pas la troisième. Parce que, évidemment, par le droit du sol, par l'acquisition automatique de la nationalité, puisqu'on ne fait pas de statistiques ethniques, c'est impossible de le savoir. Vous savez qu'un immigré, c'est quelqu'un qui naît étranger à l'étranger. Le descendant d'immigré, c'est celui qui naît de l'immigré, mais la troisième génération, tout le monde est français, puisque tout le monde a entre-temps acquis la nationalité française, on ne peut plus mesurer l'immigration. Alors Jean-Paul Gourevitch, dans l'émigration pour les nuls que je vous recommande, et dans sa version actualisée, les véritables enjeux d'émigration, nous dit, on a environ, mais toujours sur les premières et deuxièmes générations, ça remonte quand même, hein, au moins aux années 60, 4 millions d'Africains subsahariens, 3 millions de Maghrébins, 500 000 Turcs à peu près, ça fait 7 500 000 Afro-Turco-Musulmans. Je prends un dessin de ces populations-là, parce que ce sont elles qui posent problème. Hein. Voilà, je ne vais pas vous parler des boat people vietnamiens. Je ne pense pas que ce soit une menace pour l'identité française. Voilà. Donc en gros, ça fait au moins un habitant sur 9. Mais sans compter la troisième, voire voire la quatrième génération pour les immigrés algériens arrivés beaucoup plus tôt en France. Alors, il y a combien, finalement, d'immigrés d'origine étrangère culturellement antagonistes de la France et de l'Europe dans notre pays? 1 sur 7, 1 sur 6, 1 sur... On ne sait pas. Véritablement, on ne sait pas. Mais c'est déjà colossal. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Donc, et puis, il y a aussi un autre indice, c'est en 2015, le test de la drépanocytose. C'est 39% des naissances. Donc, c'est-à-dire, la croissance démographique, elle n'est pas de notre côté, vous en doutez bien. Hein. Voilà. Tout cela a été voulu, a été choisi par le lobbying du grand patronat à l'époque. Je parle notamment de Francis Bugue en 1970 qui a plaidé pour le regroupement familial et avec des termes d'esclavagiste. Hein. C'est quand même génial les termes de négrier qu'emploient ces gens. C'est une excellente main d'œuvre parce qu'elle est très jeune, elle est solide physiquement, elle est courageuse. En gros, elle est soumise, elle est docile, elle est prête à travailler jusqu'à pas d'heure. Mais elle ne parle pas le français, elle n'est pas suffisamment qualifiée. Donc si on veut avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer. Et à partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu. Voilà, 10 à 15 ans plus tard, dans un reportage diffusé par Antenne 2, on apprend que 80% des effectifs de Bouygues dans certaines villes sont composés de travailleurs immigrés. Voilà, donc ce sont ces gens-là aussi qui ont fait l'immigration, je pense encore plus que tous les discours gauchistes qui ne sont finalement qu'une caution morale pour nous faire accepter l'immigration, mais ce sont les intérêts des puissances d'argent qui ont prévalu dans ce phénomène-là. Alors est-ce qu'on peut parler de ce mot, est-ce qu'on peut parler de grand remplacement? Alors c'est un mot polémique, on ne peut pas dire qu'il est faux, qui a été utilisé par Renaud Camus en 2011 pour qualifier donc cette réalité-là, mais ça vient en réalité d'un rapport de l'ONU de 2008 qui dit « Du fait de l'effondrement démographique, il faut recourir, je cite, à des migrations de remplacement. » Ça, c'est l'ONU en 2008, c'est pas Renaud Camus. Hein. Et il y a 20 ans déjà, l'historien Jacques Dupaquier, qui n'a rien d'extrême droite, de droite radicale, ce que vous voulez, observait que cette situation n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la population française. Même constat alarmant du côté de Fernand Braudel, pareil, qui est même plutôt antiraciste par certains aspects. Pour la première fois, je crois, sur un plan national, l'immigration pose à la France une sorte de problème colonial, cette fois-ci planté à l'intérieur d'elle-même. Et ça, c'est une réalité, vous vous doutez bien, qui choque beaucoup de monde, et quand nous autres, catholiques et identitaires, parce que on n'est pas obligé d'être identitaire quand on est catholique, c'est pour ça que je tiens au « et ». Nous ne sommes pas des catholiques identitaires, ou alors identitaires parce que nous cultivons les traditions religieuses autochtones de nos régions. Nous sommes catholiques et identitaires. Nous, on ne fait pas comme les marxistes des années 70 ou 80, la théologie de la libération qui consiste à dire que le marxisme est l'accomplissement du christianisme. Je ne crois pas que les idées politiques identitaires soient l'accomplissement du christianisme. Mais je crois que l'évangile n'est pas neutre, que notre religion n'est pas neutre, qu'on ne peut pas être chrétien et être indifférent aux faits identitaires. Donc cette question, elle choque beaucoup de monde, et on nous dit « vous ne pouvez pas être chrétien et parler du grand remplacement ».
Voilà, il y en a plusieurs, comme Erwan Lemoredek, qui nous ont dit c'est contradictoire avec la foi chrétienne. Bah, dans ce cas-là, Joseph Ratzinger n'était pas chrétien. Alors je dis Joseph Ratzinger parce que dans son dernier livre, avant d'être élu Benoît XVI, L'Europe, ses fondements, son avenir, il écrit « L'Europe semble devenue intérieurement vide, comme paralysée en un certain sens par une crise de son système circulatoire. » Intéressant la métaphore du corps. « Cette crise compromet sa vie. » Écoutez bien. « On veut la pallier par des transplantations qui ne peuvent finalement qu'abolir son identité. » À cette diminution de ses forces spirituelles fondamentales correspond le fait que sur le plan ethnique, l'Europe semble en voie de disparition. On nous dit non, mais il n'a pas voulu dire ça, en fait il voulait dire démographique, c'est pas vrai. J'ai lu le livre, vous pouvez, dommage je ne l'ai pas ici, mais consultez-le. Il parle du plan ethnique, 10 lignes plus bas, il parle du plan démographique et c'est un tout autre sujet. Il traite bien deux sujets différents. Sur le plan ethnique, l'Europe est en train de mourir, il y a de moins en moins de chrétiens en Europe, ils s'en désolent. Ils se désolent aussi qu'il y ait de moins en moins d'Européens, c'est-à-dire de Blancs en Europe. Monseigneur Ravel, ancien évêque aux armées, actuel archevêque de Strasbourg, a priori c'est pas un ami politique. Les croyants musulmans le savent très bien que leur fécondité est telle qu'aujourd'hui, comment ils appellent ça? Le grand remplacement. Bon, c'est pas les musulmans qui appellent ça comme ça, mais peu importe. Le grand remplacement. Ils vous le disent de façon très calme, très positive, entre guillemets, mais de toute façon, un jour tout cela sera à nous. Le cardinal Sarah, en novembre 2016, préfet de la congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements, d'origine guinéenne comme vous le savez, qui déclare « Vous êtes envahis quand même par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. » Qu'est-ce que c'est cela que la dénonciation du grand remplacement? Vous êtes envahis. Ce n'est pas une immigration de masse, un peu trop peut-être, non, on peut discuter, mettre des quotas. Non, vous êtes envahis. Cardinal Sarah, dans une interview à Boulevard Voltaire. Vous pouvez retrouver la vidéo. Donc voilà, par l'usage du terme « envahir », l'expression « dominer en nombre », ils vont vous dominer en nombre. Clairement le phénomène du grand remplacement qui est désigné. Cardinal Burke, en novembre 2015, la crise migratoire actuelle traduit une volonté de repopulation des nations occidentales avec celle du Moyen-Orient. Grand remplacement. Et puis, pape François. On peut parler aujourd'hui d'invasion arabe. C'est un fait social. Voilà. Ça, c'est le pape François qui... C'est très mal poli, je consulte mes téléphones, mais mon téléphone, mais c'est pour la bonne cause. Combien d'invasions l'Europe a connues tout au long de son histoire? Elle a toujours su se surmonter elle-même, aller de l'avant pour se trouver ensuite comme agrandie par l'échange entre les cultures. C'est-à-dire qu'en fait, il reconnaît l'invasion arabe, il reconnaît... Enfin, l'invasion arabe, l'invasion africaine, enfin, c'est plus compliqué que ça, afro-asiatique. Mais lui, il pense qu'on peut la surmonter. Donc en fait, le clivage... au sein des intellectuels ou des ecclésiastiques, tant qu'ils aient à se prononcer sur ce sujet, je ne pense pas, au sein de l'Église, ce n'est pas sur la réalité du grand remplacement, tout le monde le voit, tout le monde l'admet. C'est, est-ce qu'on peut faire avec ou non? Est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on peut survivre en tant que Français, en tant qu'Européen avec ce grand remplacement ou non? Pape François pense qu'on peut le faire, je ne crois pas. Et puis il y avait Monseigneur Laszlo Kisrigo, évêque de Szeged, au sud de la Hongrie. Son diocèse a vraiment été sur l'ancien itinéraire de l'immigration clandestine, donc il est particulièrement concerné par le projet, et lui travaille en Syrie pour fixer les populations sur place. Nous l'avons reçu l'année dernière à l'université d'été d'Academia Christiana, donc vous pouvez retrouver sa vidéo sur notre chaîne YouTube. Il a écrit en septembre 2015, « Ce ne sont pas des réfugiés, c'est une invasion. Ils viennent ici en criant « Allah Akbar ». La plupart d'entre eux se comportent de manière très arrogante et cynique. » Invasion par les urnes aussi. 93% des musulmans ont voté pour François Hollande en 2007. Donc on voit bien que ces gens-là, qui ne votent globalement jamais, forte d'abstention chez ces populations-là, se mobilisent comme un seul homme quand on leur dit, comme l'a fait François Hollande, on va donner le droit à votre oncle, etc. Vous savez, le droit de vote des étrangers aux élections locales. Donc le vote ethnique, communautaire, le vote racial des immigrés, il existe. Ils se réunissent comme un seul homme derrière celui qui satisfait leurs exigences communautaires. Il n'y a aucun problème. Donc on en est arrivé, avec le poids qu'il représente dans la démographie française, à un moment où on peut dire que la démographie finit par primer la démocratie. Et donc le combat, je pense, à l'échelon présidentiel, va devenir, même s'il ne faut pas y renoncer, mais c'est une question plus complexe, de plus en plus difficile. Alors, quelles sont les solutions à tout cela? Alors d'abord, l'Église catholique
elle a formulé un ensemble de principes qui sont contenus dans la doctrine sociale. Ce n'est pas un programme présidentiel, ce n'est pas des mesures à mettre en œuvre ici et maintenant, ce n'est qu'une boussole. Et c'est parce que tout simplement, ce n'est pas son rôle de vous dire ce qu'il faut faire ici et maintenant. L'Église catholique, par l'enseignement de ses papes, elle vous dit voilà ce que vous pouvez faire dans le cadre, par exemple, d'une politique sévère à l'égard de l'immigration, voilà ce que vous ne pouvez pas faire au niveau de la morale, parce qu'il faut quand même respecter la dignité de l'être humain. En dehors de ça, ce qui sauvegarde le bien commun tout en respectant le minimum de dignité de ces gens-là est permis. Ça pose un cadre moral, ça ne vous dit pas ce que vous devez faire. Donc, voilà, il faut faire appel à son intelligence, il faut faire appel à sa raison en tant que catholique pour dégager à partir des grandes vertus naturelles auxquelles le catholicisme nous invite. Il faut développer à partir de ces vertus les bons remèdes. Ces vertus, la charité, le courage, la force, la tempérance, la justice, et voilà, de toutes ces vertus qui découlent indirectement de notre foi. On a manqué de charité à l'égard des nôtres, en accueillant ces populations. On n'a pas seulement manqué de sens de la justice, parce que certains intellectuels catholiques, croyant bien faire, je ne les attaque pas du tout, chacun ses arguments, chacun ses moyens d'action, on dit, alors oui, il y a la charité pour les immigrés, mais quand même, il y a la justice. Et la justice, c'est d'abord de s'occuper des nôtres. Alors oui, mais c'est comme l'argument du pragmatisme. Je veux dire, les gens, ils se sentent violés quotidiennement par l'immigration-invasion, par le fait, ça va arriver hein, bientôt, hein, qu'on déboulonne des statues en France, etc. Ils se sentent, nous sommes dépossédés. Donc on a besoin d'un cri d'amour, pas d'un cri de justice comptable, d'un petit calcul comptable. On a besoin d'un cri d'amour. C'est par amour que nous combattons pour les nôtres. C'est par amour que nous disons l'immigration est en train de nous tuer, est en train de déraciner ces pays. Parce qu'à partir du moment où on dit l'immigré même est une chance pour la France, pourquoi ne serait-il pas d'abord une chance pour son propre pays? Écoutez ce que disent les évêques, les prêtres de tout le Moyen-Orient. Ils disent, j'ai oublié son nom, mais c'est je crois que c'est le frère Ephrem en Syrie, dont on a vu le visage dans plusieurs reportages sur les chrétiens d'Orient. Il dit « C'est une déportation. Par votre lâcheté, vous les Occidentaux, vous pillez nos diocèses, vous pillez nos paroisses, enfin vous. » Il s'attaque à ceux qui, dans l'Église, incitent en fait, voilà, à ce flux migratoire. Et notre pays est en train de s'effondrer. Alors que nous, comme Mgr Jean Barre à Alep, on essaie de les faire rester ici. Mgr Jean Barre, il a créé une initiative « Bâtir pour rester ». Il finance notamment les études ou parfois les frais de nourriture, etc. Il loge aussi des familles de tous ceux qui veulent rester, de tous ceux qui ne peuvent plus rester dans l'état actuel des choses. Et il leur dit, vous pouvez rester, je vais vous aider. Et puis, voilà, par cette charité concrète, eh bien, il aide ces populations à se réenraciner. Vous comprenez bien que nous, par notre discours d'accueil, enfin nous, partie de l'Église, par son discours d'accueil inconsidéré, nous sommes en train de, l'Église, partie de l'Église, est en train de détruire la chrétienté d'Orient. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, et puis évidemment, nous avons aussi manqué de courage et de force devant cette invasion, devant les émeutes ethniques récurrentes, devant les attitudes insupportables de la racaille. Nous avons manqué évidemment de tempérance et de mesure aussi. Vous voyez bien que voilà, ces principes-là sont des boussoles. Moi, je ne vous dis pas, dans le catholicisme, dans l'enseignement des papes, il est dit, il faut engager la remigration, alors vous n'êtes pas des bons catholiques si vous n'envisagez pas la remigration. Non, évidemment, ce serait parfaitement stupide. Mais ça n'interdit pas en tant que catholique d'être pour la remigration ou d'être, pourquoi pas, pour l'assimilation, même si je pense que c'est une illusion totale. Il faut quand même bien comprendre que les gens que nous avons en face de nous ont déclaré une guerre totale au peuple français et plus généralement au peuple, au pluriel, européen. J'aimerais vous citer notamment ce que disait Nicolas Sarkozy peu après son accès à l'Élysée. « L'objectif, c'est de relever le défi du métissage. Ce n'est pas un choix, mais une obligation. » Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes. Et je vous rappelle qu'on a fait la guerre aussi pour ça en Serbie. En 1999, Bill Clinton, enfin pardon, général Wesley Clark, en charge des interventions. Pendant 80 jours et 80 nuits, on a bombardé les populations civiles serbes, les écoles, les hôpitaux, etc. Comme on l'a fait à Hiroshima, à Nagasaki, etc. Général Wesley Clark, un militaire à haut gradé, il dit des choses très politiques. Les peuples non mélangés appartiennent aux idées périmées du 19e siècle. Bill Clinton, le principe pour lequel nous sommes, nous et nos alliés, allés combattre dans les Balkans est le principe d'une démocratie multiethnique, tolérante et inclusive. Nous avons combattu contre l'idée qu'un État-nation soit fondé sur l'ethnie.
Ces gens nous ont déclaré une guerre. Évidemment, il y a des ressources pétrolières, il y a d'autres enjeux, il y a l'accès à la mer, etc. Il y a plein de choses. Mais ça fait partie du fond de formation, hein, du fond intellectuel de ces gens-là. Donc ça joue un rôle évidemment important. Et quand on n'arrive plus à se regarder dans le miroir parce qu'on a tué des centaines de milliers d'enfants pour quelques gouttes de pétrole, eh bien, c'est toujours efficace de se rappeler qu'au moins, on combat pour les droits de l'homme. Et puis de toute façon, les Français de souche n'existent pas. C'est ce que nous dit le tribunal correctionnel de Paris en mars 2015. Les Français blancs dits de souche ne constituent pas un groupe de personnes, car cette notion ne recouvre aucune réalité légale, historique, sociologique ou biologique. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Donc ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas dire qu'on est en train de vous éradiquer. Vous n'allez pas disparaître, parce que vous n'existez pas à la base. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Je vais vite. Donc nous sommes dans une société multiculturelle, donc vous l'avez compris, multiconflictuelle. Nous ne sommes plus dans le vivre ensemble, nous sommes dans le survivre ensemble. Il n'y a plus de frontières, mais il y a des murs à l'intérieur de notre pays et des caméras de partout. Voilà, la répression, la société du contrôle permanent, c'est aussi une conséquence, pas seulement, il y a une volonté politique réfléchie derrière, de l'immigration-invasion. Alors ok, on fait quoi? On ferme les frontières, d'accord, mais et après? Je veux dire, on a fait l'état des lieux de la présence immigrée en France. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Parce que les deuxième et troisième générations sont pires que les premières, qui se sont plus ou moins intégrées, au moins par le travail, bon, à peu près. Bon, ils ont quand même fait des enfants qui... la responsabilité des parents aussi, quand même, de temps en temps, un peu, quand on ne donne pas un prénom français à ses enfants, contrairement à ce qu'ont fait tous les immigrés italiens, polonais, etc. Oui, forcément, on génère ce genre de situation. Donc, il y a des constantes. Hein. L'assimilation, je pense que c'est un fantasme. Il faut vraiment se sortir de cette idée-là. L'assimilation en tant que phénomène social, observable dans la réalité, bah oui, ça existe. Il y a des gens qui ne sont pas européens, qui se sont assimilés, qui sont devenus français, qu'ils soient asiatiques, même maghrébins, il y en a, qui donnent des prénoms, moi j'en connais, dans mon entourage très proche, qui ont donné des prénoms français à leurs enfants, qui mangent, donc pas d'interdit alimentaire à la maison, comme des Français ou des Européens, etc. Ça existe, mais c'est ultra marginal. La politique, je suis désolé, mais c'est l'art du bien commun, de penser au niveau des masses. On ne nie pas la réalité, mais aussi infime soit-elle, il faut la prendre en compte. Mais je veux dire, on ne peut pas dégager des grandes lignes politiques sur des exceptions, c'est pas possible. Donc tranquillement, sereinement, il faut assumer en effet qu'il y a des gens assimilés, ça existe, mais c'est pas pertinent politiquement. Et l'objectif de cette université d'été, c'est de vous aider à penser politiquement, au niveau du bien commun pour le bien de votre peuple. On est dans une société individualiste et narcissique, dans laquelle on ne sait plus penser au niveau du bien commun. Oui, moi j'ai un copain qui est ceci, il est sympa, mais on s'en fout complètement. Parce qu'il n'a aucune influence sur la société française, il n'est pas représentatif de ses cousins. Ce bonhomme-là. Et de toute manière, ça ne sert à rien de le rassurer, parce que de fait, s'il est français, il est déjà avec nous. Le jour où ça pète, le jour où, dans une bagarre, je ne sais quoi, je ne parle pas forcément de guerre civile, il y a aussi pas mal de fantasmes sur une hypothétique guerre civile, il sera déjà avec nous. Enfin, je veux dire, comme les Harkis l'ont été à une époque. C'est-à-dire, les Harkis rêvaient de la France blanche. Les descendants de Harkis, c'est des gens qui, à mon avis, ne sont pas très immigrationnistes. Voilà, c'était à mon avis les véritables réfugiés, eux. Voilà, donc l'assimilation est un fantasme parce que déjà les politiques d'assimilation ça n'existe pas. On n'a jamais assimilé personne. L'assimilation, politique d'assimilation, ça veut dire contraindre des gens par exemple, c'est l'exercice de la contrainte, c'est ça la politique aussi, à suivre des cours d'histoire, de langue ou de cuisine du soir après l'usine, etc. Personne n'a jamais fait ça, on n'a pas cherché à leur apprendre l'amour de la France. Ça ne s'est jamais fait parce qu'on n'a pas eu besoin de le faire. Avec les Italiens, les Polonais, Luigi, il peut facilement devenir Louis. Franz, il devient François, Francesco, etc. C'est évident, on a une culture européenne, gréco-romaine et chrétienne commune. C'est facile. Dès le XVIe siècle, notamment en Provence, il y a des masses d'Italiens qui sont rentrés en France. Voilà, et puis la France, comme me dit, c'est intéressant, à la fois Jacques Bainville et Éric Zemmour, historien royaliste, journaliste républicain, la France est un condensé d'Europe. Voilà. Donc, l'assimilation existe, mais l'assimilationnisme, c'est un fantasme, et c'est le dernier moyen, peut-être, qu'utilise notre adversaire pour éteindre la colère identitaire des Français et pour éteindre la colère identitaire des catholiques. On va vous dire, oui, mais vous manquez d'espérance, il faut les assimiler. Mais ça, c'est un détournement de piété que d'utiliser ce genre d'argument. Mais la vertu d'espérance, c'est pas ça. C'est croire que le ciel nous est promis si on s'en donne un peu la peine, si on se donne de combattre. C'est notre mot d'ordre. La vie des hommes sur Terre est un combat. Voilà.
ne faut pas confondre l'espoir temporel avec l'espérance. Ne vous faites pas manipuler avec ceux qui essayent de détourner votre piété de son objectif initial. Donc oui, je pense en effet que la remigration est à peu près la seule solution viable parce que nous allons tout droit à l'affrontement. Alors, pour engager la remigration, il faut contrôler l'armée, il faut contrôler la police. Bref, il faut avoir à peu près un million de fois plus de pouvoir que Marine Le Pen ou je ne sais qui, mais de toute façon, elle ne le souhaite pas, je pense, en France pour, voilà, pour engager cette remigration. Je pense que politiquement, à court terme, aucun de nos amis politiques ne va accéder au pouvoir et l'engager. Mais il faut quand même connaître cet enjeu. J'ai malheureusement pas assez de temps pour le développer. Je peux parler de la remigration forcée de 300 000 morts d'Espagne en 1609 après un siècle et demi de tentatives d'assimilation et de conversion qui ont toutes échoué. Je dis pas qu'il faut pas les convertir, ça c'est une autre question. Évidemment, on peut parfaitement prôner la remigration et tenter, au niveau individuel, quotidiennement, de les évangéliser. Salut est promis à tous. On a même ce devoir-là, finalement, de charité. Parce que la charité à leur égard, c'est leur annoncer le Christ, mais c'est aussi leur dire que leur vocation n'est peut-être pas ici. Et qu'on les a déracinés, et qu'ils seraient plus heureux chez eux. Mais en Espagne, on en a renvoyé 300 000. Mais où? Pas dans un pays que l'on ne contrôle pas, à Oran, en Algérie, possession espagnole. Donc la remigration, c'est un problème géopolitique. Il faut changer notre politique, notre diplomatie, notre approche de la géopolitique, notre diplomatie. Techniquement, c'est possible. Hein. Les Polonais en France, de 1931 à 1936, on en a fait remigrer au moins 200 000. Et ça, c'est les chiffres les plus bas, en quelques années. Donc techniquement, absolument tout est possible. Mais en effet, je pense que personne à court terme ne voudra le faire, et ça va créer des conflits, il y aura des rébellions, se tenter qu'on... Puis il y aura du sabotage. Je pense qu'il y aura aussi des policiers, sur ordre, qui vont commettre des bavures, et puis bon, du coup, on arrête, même si on fait une remigration partielle. De 2001 à 2011, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, on a de tête un peu moins de 200 salafistes qui ont été expulsés. 200. Il y en a au moins 5000 en France, 15000 militants, sachant que ce n'est pas tout l'islamisme en plus le salafisme, il ne faut pas caricaturer. Et 7000 à 8000 activistes potentiels parmi eux. On en a viré moins de 200 en 10 ans. Donc je veux dire, il y a des remigrations qui peuvent déjà se défendre politiquement, sans scandale, sans provoquer votre interlocuteur. Il y a des gens qui, objectivement, il faut faire remigrer, oui. Plus de la moitié de la population carcérale, c'est des gens qui ont la double nationalité. Ces gens-là ont un pays de rechange. Donc ils ne sont pas apatrides, ils ne perdent pas tous leurs droits une fois qu'on les renvoie chez eux, ce n'est pas vrai. Vous avez plus de la majorité des Marocains, plus de la majorité, c'est les statistiques de l'INSEE, des Tunisiens et des Algériens qui ont une double nationalité, plus de 60% des Turcs. Ces gens-là ont un pays de rechange. Donc, je crois, dans tous les cas, que nous sommes voués à nous affronter. Je crois que cet affrontement, ça ne va pas être une ligne jaune avec les méchants en haut et les gentils en bas. Je pense que l'affrontement a déjà commencé. Je pense qu'il y a des zones qui sont perdues. D'autres, comme Christophe Gulluy l'explique, qui ont déjà été reconquises démographiquement par les populations européennes dans les zones périurbaines et rurales, notamment dans le sud de la France, autour des grandes villes, Montpellier, Nice, Toulon, etc. Consultez les travaux de Christophe Gulluy. Et puis, il y a des zones intermédiaires, un peu bâtardes, où il va y avoir des étincelles de plus en plus d'affrontements. Je pense. Et puis, il y aura des gens qui, se sentant sincèrement français, vont nous rejoindre aussi dans ce combat. Même s'ils ne sont pas forcément français de souche. Mais voilà. Donc, pour conclure, cette idée, je brosse très vite ces questions-là, la remigration, c'est un sujet sans fin. Je vois toutes mes notes et ça me désespère. J'aurais plein de choses à vous dire. La reconquête, l'idée de reconquête catholique et identitaire, c'est que la foi enseignée convenablement. L'amour de Dieu nourrit l'identité. C'est-à-dire nourrit l'amour de la patrie. Demandez à Sainte-Geneviève, demandez à Saint-Ferdinand d'Espagne, cousin de Saint-Louis, demandez aux Vendéens, et puis bien sûr demandez aux résistants syriens actuels. Si la foi ne nourrit pas leur patriotisme, si leur patriotisme ne nourrit pas leur foi, le lien entre la foi et la terre. Et l'identité, le réenracinement identitaire, en nous instruisant sur notre histoire, en nous montrant nos ancêtres, à genoux devant des calvaires bretons, devant des crèches provençales, ce réenracinement identitaire nourrit notre foi, voire nous amène à la foi pour certains. Bon, ça c'est au niveau personnel. Au niveau collectif, les catholiques sont, à mon avis, au sein du peuple français, vous comprenez bien que la majorité, selon moi, des immigrés et descendants d'immigrés ne font pas partie de ce peuple français. Au sein du peuple français, les catholiques sont la dernière communauté vivante, le dernier réseau, les derniers Français conscients. Alors, il y a d'autres communautés, les chasseurs, les fermiers, quand ils ne sont pas isolés géographiquement, voilà. Mais il n'y a pas de communauté aussi solide et répandue sur tout le territoire français. Alors, puisque les catholiques ont énormément reçu, ils doivent beaucoup donner. Ils doivent rejeter, nous devons, je m'inclus, rejeter l'entre-soi mondain pour devenir les boucliers de notre peuple, comme les évêques du 5e siècle face aux invasions barbares.
n'y a pas de victoire identitaire durable sans la contribution active et héroïque des catholiques. Eux dont les prières et les églises sont le témoignage vivant d'une France qui ne veut pas mourir. Et la condition de la survie du christianisme en France et en Europe, c'est le combat identitaire. C'est Don Gérard qui l'explique dans « Demain la chrétienté ». La croix qui est plantée depuis 13 siècles sur une terre chrétienne, cette croix représentant la religion catholique avec ses écoles, ses coutumes, ses familles, ses églises, cette croix ne sera efficacement défendue et sauvée que si on défend la terre qui la, que si on défend la terre qui la supporte. Mais contrairement à ce que disait Barrès, la patrie ce n'est pas que la terre et les morts, parce que l'identité ce n'est pas qu'un musée, c'est un peuple vivant. Nous combattons pour un peuple vivant qui parfois est agaçant, irritant, décevant, ne nous ressemble pas. Nous nous battons aussi, je suis désolé de le dire, pour les fans de tuning, pour les sosies de Johnny Hallyday, pour les gens qui dansent la country, pour les gens qui donnent des noms de voitures à leurs enfants. Bref, le pays réel, c'est ça aussi. Voilà. Donc il faut un sursaut de la charité. Comme le disait Cardinal Siri, évêque de Gênes, c'est par charité que nous combattons contre le laminage du genre humain. Alors, en conclusion, ne soyons pas des petits pragmatiques médiocres et étriqués, soyons des cœurs enflammés. Laissons le feu qui nous bouleverse intérieurement consumer le monde. Soyons des âmes qui brûlent d'amour pour nos familles, notre peuple, notre patrie.